J'en ai pas. Il me faut combien? Avec le 5K? Voilà, donc avec ça, je peux débloquer ma batterie et ma centrale électrique à gaz. Donc on va tout de suite faire la centrale électrique à gaz. Batterie qui va bien ici. On n'est pas si mal. En vrai, ça se passe pas si mal que ça. Alors, pour le moment, on n'a pas de commande. Qu'est-ce qu'on a là? Là, il me faut absolument, c'est il y a l'entrepôt. L'usine de chaussures. Il me faut encore un petit peu de plastique. Et en vrai, je peux la débloquer. Que j'en exporte, hein, c'est ça qui fait que c'est un petit peu long. Je devrais augmenter la prod. Hop là. Usine de chaussures. Si ça paraît bien. Des moteurs. Ça. Alors, évidemment, sachant monter. Et on peut faire notre coup classique d'acheter des chaussures à fond de blinde pour les revendre. Donc l'avantage des chaussures, c'est que c'est simple à créer. Ah, je suis con. Excusez-moi. C'est vrai que si j'exporte, je peux pas vendre celle que j'achète. C'est pour ça que c'est en train de galérer à fond. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux.
Voilà, ça y est. La fin des ennuis. A commencé à pouvoir monter des trucs niveau 10 là. Déficit. Hop. Ok. Le plastique, j'étais peut-être un petit peu gourmand. Hop. Il va falloir un peu plus. C'est le gaz naturel. Pareil, il va nous falloir une troisième. Ça résout pas le problème? Ça résout pas le problème. Bah, une autre alors. Hein. Bon, je prends toujours du plastique. Oui, je revends des chaussures aussi. En attendant. Attention ici, voilà le plastique, c'est pas possible. Le moteur. Si j'achète un petit peu de moteur, ouais, pas autant, mais hop. Ok. Alors pour les moteurs, il me faut de l'acier, donc il faut que je débloque mon aciérie. Et pour l'acierie, il me faut du fer. Et donc il va falloir de toute façon que voilà, que le fer et le charbon augmentent. Donc en vrai, je peux déjà augmenter le fer. À voir ce que je peux faire avec le titane. C'est le. Parce que voilà, c'est le. Enfin, pas le titane, le. Avec le lithium. Tiens, la scierie. Hop. On va débloquer. Alors, je peux faire du chrome. Avec le lithium. Donc du chrome qu'on exploitait naturellement à. D'accord, donc avec du lithium et de l'aluminium, je fais du chrome. Verre, pile, entrepôt. Papeterie. Je vois pas le les moteurs. Parce que je n'ai pas d'aciérie. C'est bizarre, attendez, pourquoi je l'ai. Oui, parce que ça demande des moteurs, ok, d'accord. Donc. Ah. Donc une aciérie. Une aciérie.
série, sachant qu'il va m'en falloir plusieurs, hein, donc on va les mettre dans un coin où... Voilà, on peut en mettre une petite quantité, on va les... Ouais, on va mettre par là. Allez, on va mettre là. Ah ouais, juste à côté de, voilà, de mine de fer et de charbon. Voilà, du coup, si je regarde dans mes améliorations, d'accord, c'est ça le piège de cette carte, c'est qu'on peut pas faire de d'usine de moteur, c'est ça, faut forcément en importer. Il semblerait que le piège soit là, de cette carte. En fait, vraiment, chaque carte a ses spécificités, et visiblement, là, je ne peux pas créer. Voilà, il me faut des... si, attendez, si, je suis bête. C'est parce qu'il me faut des semi-conducteurs. Et pour ça, faut que j'extraie du silicium que j'extrais pas encore. C'est tout. Donc là, en extrayant du silicium, je peux créer des usines de semi-conducteurs, et avec les semi-conducteurs, je peux créer des moteurs. Le fer n'est plus avantageux comparé à l'acier. Alors. Le propergol. Et là, pareil. Ouais. Hop. Mais ça, j'ai envie de dire, ça peut se vendre, ça. Alors, Propergol 4K. Mais sur le marché des joueurs, je crois que ça vaut 35. Et c'est pour ça que c'est avantageux, le Propergol. 35K. Donc le mieux ce serait peut-être d'en acheter pour le revendre. Et on va faire ça plusieurs fois. Sachant qu'il faut pas que j'exporte, hein. Voilà, faut pas que j'exporte, sinon ça aide pas. Voilà. K, hein, ça veut dire qu'il faut pas que je dépasse les 15K, ouais, bon, enfin. Les 17K quoi. Parce qu'après, honnêtement, quand c'est au-dessus de deux fois le prix, ça vaut pas le coup de. Oh, millions, allez, voilà. Voilà. C'est ça qu'on veut. Voilà.
Voilà. C'est ça qu'on a envie de voir. Donc les semi-conducteurs. Faut des points de recherche. Pour les points de recherche, il me faut du propergol. Je peux en acheter un petit peu. Encore un petit peu. Voilà, ça me coûte cher là, résultat, mais. Comment ça? Parce que vraiment, il bloque l'import si jamais je suis en train d'exporter, quoi. Ça, c'est vraiment le truc un petit peu idiot. Allez, hop, ça c'est cadeau. Est-ce que là je suis en manque de quelque chose? Non, pas vraiment. Quelles ressources je n'exploite pas? Le titane, j'en exploite. Aluminium, carbone, silicium. Du fer, c'est bon. Donc on est d'accord que j'exploite absolument là toutes les ressources possibles pour le moment quoi. Donc ok. Donc il me faut plus de silicium. Il faut plus de silicium pour pouvoir. Voilà. Mes semi-conducteurs. Qui demande silicium, donc on va mettre près du silicium. Mettre ça là. Ok, et maintenant qu'on produit, est-ce que je peux faire des moteurs? Bon, l'arnaque, elle est là. Hein. Non, les usines de moteurs sont débloquées. J'ai pas à les rechercher. Ils sont déjà là. Excusez-moi. Donc c'est pas une arnaque, c'est juste que effectivement, on peut acier, aluminium, plastique, voilà, on peut faire notre nos on peut vendre déjà du. Hop.
Ok, donc j'ai rien dit en fait, parce que c'est déjà débloqué de base en fait. Allez, on va commencer à se mettre un petit peu dans la sauce. Fer, charbon, alu. Bon, l'aluminium, voilà, hein. Le fer et le charbon, on va faire de nouvelles mines. Ok. Quelles sont les autres particularités de cette carte? Donc une production de x2 en plus. Les usines de voitures ont une capacité de x2. Ouais, donc c'est vraiment le. Voilà, le. Transport gratuit des voitures. Ok. Et donc, ok. Et donc, ouais, les usines de voitures, elles font des usines. Enfin, des. Elles font des voitures au gaz et pas des voitures au. Au pétrole. Ok, d'accord. Wow. Super, super. Bon, je vois ce qui est au plus utile, hein. Bon, on va commencer à débloquer tous les trucs classiques, hein. Bon, l'usine de charbon, je la débloque, mais je la ferai jamais. L'aciérie, la papeterie, l'entrepôt. Hop, on va déjà faire. Hop, on va débloquer ce niveau. Voilà. On va donc faire une scierie. On va la faire là, on va la faire un petit peu éloignée quand même. Une papeterie. Voilà. Donc ça, quand on en aura besoin, on le saura. Il y a l'usine de piles. Hop, on va la faire rapidement. Donc pour le moment, je pose les bâtiments, hein. On équilibrera après. Des piles, ouais, on va les mettre là. Mettre une usine de piles ici. Hop. On a le vert. Je commence à manquer, j'ai vu, hein, de... Ok. L'alliage de chrome, même si tant que du chrome on m'en demande pas, je n'en produirai pas. Et après c'est le vêtement, les vêtements, donc il me faut du papier et voilà quoi. Ok, niveau vente. Hop, hop. Alors. D'accord. Pas de soucis.
Ouf. Ah bah voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Bon, je m'attends tout de suite. Là. Donc ça en est bon. Maintenant j'ai l'habitude de prendre les devants pour beaucoup de choses, hein. Par exemple, prévoir du bois dès que j'augmente la papeterie, genre de choses. Voilà quoi. Là par exemple, je pense que on va augmenter à fond le gaz pour augmenter le propergol. Ouais, et vous voyez, c'est même pas suffisant. C'est largement pas suffisant. Ah, je vous jure. Mais bon, vu que je parlais du propergol à l'instant. Voilà. Toujours un peu en dents de scie, hein. Alors, attendez, bougez pas, toc toc. Ce qu'on va faire, on va résoudre un petit peu de soucis. Ah non, mais en fait, je suis bon là, enfin, ça augmente, ouais, ça augmente légèrement quoi. Mais en fait, j'ai un petit peu de stock, il me dit 30 secondes, mais ouais, j'ai un peu de stock. Mais ouais, le gaz là, c'est. C'est un enfer. Non, toujours pas. Ah, ok, d'accord. Ok, j'ai compris. Bon, bah, on va partir sur une autre centrale. Hop.
Et donc là, qu'est-ce que tu me dis? Est-ce qu'on a suffisamment d'électricité pour maintenir? Toujours pas, toujours pas, toujours pas. Regardez à ça. Oh tiens, du chrome. Bah tant pis, ce sera pas honoré. Allez, deux centrales à gaz en plus. Et je commence à taper dans mes permis. Bon voilà, 120 permis, j'ai un petit peu de réserve pour... Ah, d'accord, j'ai tellement tapé dedans que... Ok. 100, voilà, hein. On va partir sur ce principe. Alors, qu'est-ce que je peux vendre? Encore du propergol, hein. Je peux vendre aussi des moteurs, hein, remarque. Attendez, déjà mon acier. Voilà. On a les chaussures, on n'oublie pas les chaussures, c'est toujours une valeur sûre. Voilà. Bon, bah voilà. On y arrive à l'équilibre. Enfin, même en... Plus que l'équilibre, même là. Ah. Alors, je disais des moteurs. Moteur. Oui. Alors, on a les vêtements. Pour pouvoir ensuite avoir la mode, pourquoi pas. On a la batterie, les guitares. Le petit connard qui fume et qui fume et qui fume en jouant de la guitare. Pardon. Oui, vous avez la ref là, certainement. Hein. Les radars, les robots. Ouais, on a déjà quasiment tout débloqué en vrai. Vêtements, batterie et guitare. En train de réfléchir, l'acier a bien diminué. Ouais.
Il y avait lui. Hop. Sur quoi on galère? Wow, c'est pas grand chose. On va donc faire des vêtements. On va faire des vêtements. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Il faut le circonflexe. Sinon, il comprend pas. Donc, pas loin des chaussures, parce qu'après, il va y avoir la mode qui va arriver là-dessus. Voilà. Bon, batterie, guitare, on va faire ça. Usine de batterie. Alors, on va faire ça près du bois. Hein, on va. Voilà. Donc ici pour les batteries. Hop, ici pour les guitares. Hop, Ah oui, bon, ça m'embête de le mettre là, mais bon, on va. Tant pis. Bon, ça va arriver. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Colisée qu'on fera pas, le Polytechnique qu'on fera pas, l'usine de jouets. L'usine de jouets, on peut la faire là. Pas loin des piles. Ouais, bon, on va la faire là. Hop. Regardez un petit peu des planches, je manque de planches. Hop. C'est bien. Arrêter les semi-conducteurs pour vendre des jouets. Ok. On a les armes à feu. Côté de la scierie, hein, l'arme à feu. Arme à feu, tac, on peut mettre ça là. Ensuite, on a quoi? On a les écrans. Les écrans, c'est pratique parce qu'on a le verre juste à côté. Donc, écran. D'écran. Ouais, ici, hop. On va faire ça. Ok, et donc là, il va falloir qu'on regarde un petit peu de quoi on manque. Mais normalement, le verre, voilà, le verre va poser souci maintenant. Donc, on va augmenter le verre. Qui signifie qu'en augmentant le verre. Alors par contre, hop. En augmentant le verre, on a besoin de silicium, de charbon. Donc à la limite, le charbon, on peut le passer ici. Et j'ai dit du silicium. Hein. Bon, on commence déjà à avoir une petite bourgade. On commence déjà à avoir une petite bourgade.
Alors, prochain bâtiment. Alors, on a l'alliage de titane. On a les livres. La papeterie. Ouais, là, parfait, tiens. Là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les appareils photo. Appareil photo, pas loin du verre, hein. On peut le mettre là. Faut verre, semi-conducteur. Ouais, donc en vrai c'est pertinent de le mettre là. Allez, hop. On manque de piles. Par conséquent, on manque d'alu. On manque de charbon encore. Hop, charbon. L'aluminium. La mine d'aluminium, elle est là. Et le fer. Je crois que j'aurais pu augmenter plutôt celui-là. C'est pas grave. Ok. Bâtiment suivant. On va plutôt faire les fibres avant. Pareil à côté du verre, donc on peut mettre là. Ok. Mode. La mode maintenant, bah oui. Ah oui, parce que la mode demande aussi. Non, c'est chaussures et vêtements, c'est tout. Chaussures et vêtements, donc. On va mettre là, hein. Donc là, il va se plaindre qu'il n'y a pas assez de. Il n'y a pas assez de vêtements, c'est normal. Voilà, je le savais. Donc pas assez de vêtements, c'est-à-dire pas assez de papier. Exact. Et pas assez de plastique. Alors, qu'est-ce qu'on peut vendre? Acier classique. Des batteries maintenant que ouais, ok, ça marche pas, hein. Les écrans 4K. Oui, les écrans, hein, on peut. Ouais, non, oui, ça, c'était pas ouf. Donc, on disait. Voilà. Attendez. Hop.
On a l'école, on peut rapidement voilà, la faire. Bon, allez, l'usine de radar. Hop, ici, ça me paraît très bien. Ensuite, on a Colotte. Ouais, après, il me faut des points de recherche. Et les semi-conducteurs. Pour augmenter que d'un niveau. Pour voir pour le moment. Pas suffisant. Encore un niveau. Et bon. Je suis à l'équilibre. Donc non. Et là, c'est du silicium qui me manque. Donc on va recréer une mine ici. Quoi, tout de suite passer niveau 20. Voilà. Ouais, pour le moment là, je monte progressivement. Je crée juste énormément de bâtiments. Et on va augmenter la prod. Enfin, je vais augmenter la prod au fur et à mesure. Mais ce sera certainement hors caméra. Mais voilà, en gros, vous avez ben, ouais, cette carte-là, elle est pas. Voilà, il y a quelques subtilités. Par exemple, on exploite du lithium, on le mélange à l'aluminium pour faire du chrome, alors que à Rotten machin là. Je suis désolé. Hein. Rotterdam, oui, voilà, Rotterdam. On avait du chrome directement. Là, ici, on est obligé de le produire. C'est la seule différence. Mais en vrai, donc je pense que je vais retourner à Rotterdam après cette partie-là et poncer Rotterdam tout simplement. Mais je pense qu'on a, on a globalement fait le tour un petit peu de la partie gratuite de ce jeu. Qui est très bien. Honnêtement, je vous dis, je suis agréablement surpris par ce jeu. Il est graphiquement très très simple, mais il est tellement il est assez addictif. Et puis surtout, il y a vraiment le marché des joueurs. Le marché des joueurs, il est tellement bien fait. Voilà, faut vraiment se pencher dessus, mais c'est tout le gameplay tourne autour de l'interaction, enfin du marché des joueurs. Et ça, je trouve ça génial. Ce jeu est très très bien pour ça. Donc oui, c'est pas un jeu d'action, c'est pas un jeu tapé, pampan, voilà. C'est un jeu où, ouais, faut réfléchir, faut regarder les prix, faut être à l'affût de la meilleure, comment dire, de la bonne affaire, de savoir quoi acheter et quoi revendre. Puis après, c'est de la gestion d'usine standard, mais voilà, production, revente auprès des joueurs. C'est vraiment ça le cœur du jeu. Et je trouve ça super. Je trouve ça absolument super. Donc ouais. Je sais pas combien d'épisodes on en est. Vous avouerez que j'ai tourné plusieurs sessions là sans faire sans mettre sur le banc de montage les parties d'enregistrement. Donc là il me faut. Ouais, donc allez. Et donc il va me falloir du chrome. Allez, il va me falloir du. Alors, une usine de chrome, voilà, on va. Alors, il me faut quoi? Lithium, aluminium. Le lithium, où est-ce que je l'exploite? Là.
va se mettre là. On va se mettre là. Et oui, contrairement par contre à Rotterdam, donc le titane, par contre, on peut l'extraire directement sur cette carte. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, excusez-moi, c'est moi, je divague, vague. Voilà, le lithium, à la limite, voilà, c'est une ressource primaire, on s'en fiche, on peut la mettre au max. Voilà. Petite batterie. Ok, bâtiment suivant. Alors, il y a le siège social qu'on peut faire tout de suite. On a donc les robots. Qui se vendent pas, mais c'est pas grave. Alors, autre chose aussi, mais ça c'est logique, résultat. Comment les... Le marché des joueurs est beaucoup plus actif. Il y a beaucoup plus comment dire, d'opportunités les week-ends. Ce qui est totalement logique, hein. Les joueurs ont plus de le temps de jouer le week-end, donc le week-end est plus avantageux pour faire des bonnes affaires. Donc voilà, hein, faut. Mon usine de plastique, elle erre tellement. Elle émet tellement de plastique. Bon, donc il y a ça. Donc là, il me faut du chrome pour l'alliage de titane. Voilà, donc après, on a le chantier naval, on a les zeppelins, l'automobile, la vidéo, les moteurs à réaction. Bon, là, il me faut un peu de chrome. À la limite, c'est pas pour ce que ça coûte. Pas pour ce que ça coûte. Voilà. Bon, on a l'alliage de titane, même si le titane, en vrai, on l'exploite, on peut l'exploiter directement sur la carte. Donc voilà, c'est parce qu'on a du chrome. Avec le chrome, on peut faire du titane, mais sur la carte, on a directement du titane. Donc autant d'ailleurs du titane. Oui, elle est là, ma mine de titane. Alors, le fer, hein. Est-ce qu'on tente carrément d'acheter le million de fer? Non.
Ah ouais, ça monte vite. Il y a du bois en vente. Non, ça demande du bois. Non, ça, ah non, c'est pas dans son vide, ça en propose. Ah, c'est pas. C'est pas. Pas où, j'ai envie de dire. Toc toc. Les chaussures. Oh, les fameuses 10 secondes. Toujours, hein, toujours là pour nous casser les pieds. K pour les écrans. Et à chaque fois je me, à chaque fois je le dis, mais et à chaque fois je sais que c'est hors de prix. Ouais, voilà, hein, c'est pas, on n'est pas dans les prix. Les moteurs par contre à 2K. Les moteurs, je crois. Les jouets, on est à 1K. Et ici, les jouets, 800, donc ça vaut pas le coup. Alors, les moteurs à réaction. Signifie qu'on va manquer de moteur, donc on est pile poil à l'équilibre, mais bon, voilà. Moteur à réaction 9K. En a plus sur le marché. Le plastique, on est pile poil à l'équilibre, on va peut-être augmenter un petit peu quand même. Voilà. Semi-conducteur, pareil. Voilà. Pas mal ça. Le prochain truc, c'est le studio vidéo. Donc pareil, il faudra augmenter les appareils photo, les semi-conducteurs. Voilà. Ouais. On est déjà à combien? 33, ouais, bon. Oh, c'est pas assez. C'est pas assez pour débloquer les appareils photo. Alors, qu'est-ce qu'on peut vendre? On peut certainement revendre des chaussures déjà pour commencer. Bon, voilà, mais de la mode. De la mode, ça se vend bien, ça, la mode. Là. Hein.
Voilà. Hop. Ça, c'est agaçant par contre. Vraiment, c'est agaçant de pouvoir. C'est un peu bête en fait d'avoir axé le jeu sur l'interaction entre joueurs dans le marché et de limiter à toutes les 10 secondes. Après, peut-être que c'est pour la charge du serveur. Hein. Honnêtement, parce que je me disais, c'est un anti-cheat, mais ça n'empêche pas de spammer. Là, mais ça spamme côté client, ça envoie pas de requête. Alors, on avait le blocage, il est dans le. Il est dans. Enfin. Il est côté client, il n'est pas côté, côté serveur. Ouf. Ça c'est beau. Ça on aime. Ça, on apprécie. Oula, ouais, ok, d'accord. Il y a quelques chutes quand même hein, dans la consommation. Il y a quelques crevasses, on va dire quoi. Oh, ça y est. Attendez, on peut monter ça niveau 10. Enfin, niveau 30. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Ah, parce que. D'accord, oui, ok, c'est parce que quand je l'ai augmenté de 10 niveaux, évidemment, ok, d'accord. Elle s'est réinitialisée, donc évidemment, elle a. Ok. C'est pour ça. Mais là, ça va mieux. Bim, allez. Est-ce qu'on peut. Non, on peut pas. On peut pas faire encore de la vidéo. Donc, à chaque fois que. Oui, parce que je l'ai pas montré, mais à chaque fois qu'on fait une commande, on gagne aussi des. On gagne du pognon certes, mais on gagne aussi surtout des points de recherche et des points de culture aussi. Voilà, c'est pour ça que mine de rien, c'est super utile de faire les commandes qu'il y a là. Hop, 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 hop.
ça évidemment, le proper goal évidemment. Les radars, c'est vrai, les radars à 14K là. On les oublie. Divisé par 2, ouais, remarque, c'est pas trop ouf quand même. Serenity, il a combien de temps le marché là? 9 minutes. Mais pareil, dans 9 minutes, je mets fin de cette session de tournage et je pense que je mettrai fin définitivement à cette session de tournage. C'est-à-dire que je pense qu'on a fait le tour en vrai du jeu. En vrai, je vois pas trop ce qu'on pourrait débloquer de plus. Après, le truc, c'est que les ressources qu'on n'a pas vues, type bon bateau, oui, on n'a pas fait de chantier naval, c'est tout. Mais il y a des trucs comme par exemple tout ce qui est station spatiale, tout ce qui est trucs comme ça. J'ai l'impression que c'est dans la version, enfin dans la version payante du jeu, enfin dans tout le pack payant, le pack d'extension. Je sais pas si on peut. On a le détail, ça, je crois. Non, pas là. Montrer le contenu. Voilà. On a les. Tac, tac, tac. On a l'acier inoxydable. On a gazification du charbon. Circuit intégré. Voilà. Donc, c'est ça. Hein, le circuit intégré, on peut pas les faire parce que. Voilà. Alors que ça vaut le coup. Père Noël. Batterie Lyon. Les robots cars, les trains, le projet V2, usine de missiles intercontinentale, le projet Vostok, les vaisseaux de combat, enfin de les battleships, les vaisseaux de combat quoi, les porte-avions, comment on avait? Les Steel Fighters, c'est des croisés, c'est des. Ah. C'est des. Pareil, c'est de la flotte, c'est de la. C'est du combat naval. Tac, tac, tac. Air Force Command, centre des forces spatiales. Usine de sous-marins, usine d'hélicoptères. Siège social des consoles de jeux. Software Compiler, voilà, la création de logiciels, c'est dans l'extension aussi. Distribution Linux. Ah, j'avais pas vu ça. On peut vendre des distributions Linux. Enfin, vendre des distributions Linux. Ouais, on peut faire des d'accord. QG de la liaison satellite. Skynet Incorporated. Webflix. D'accord, ok. C'est Netflix, hein, tout simplement. GameCloud. Search Engine Company. Studio de télévision. Studio d'enregistrement. Université. Opéra. Ok, et au niveau des stratégies, on a. Voilà. Et dans les villes qu'on peut débloquer, il y a Toulouse, Hambourg, Boston, Osaka, Hong Kong et Vancouver. En vrai, il y a beaucoup de contenu. Enfin, ça rajoute pas mal de contenu. Pour 5 euros, hein. Enfin, même pas 5 euros, c'est 5 dollars. Donc en vrai, c'est. Ouais, c'est 4 euros, quoi. Donc, en vrai, moi je suis tenté de le prendre, le pack d'extension. Je peux le prendre sur Steam. Parce que je sais pas, hein, je regarde, mais. Tac-tac-tac, mes jeux. On va laisser progresser un petit peu. Ah, attendez, j'ai juste une commande. On va la faire rapidement. Voilà. On va pas. Hop. Ah si, on peut faire la vidéo. Je regarde juste pour le pack d'extension. Industrie Idle. Page du magasin. C'est ça, le.
Le pack d'extension, il est à 4 € sur Steam. Il est à 3,99 précisément. En vrai, ça vaudrait le coup de le prendre, hein. Mais bon, voilà. Mais moi, je vais vous laisser découvrir ça. Je pense que je ne ferai pas de vidéo sur le pack d'extension. Ce sera à vous de le découvrir. Moi, je pense que voilà, je vous ai fait une. Enfin, avec cette trentaine d'épisodes-là, je pense, hein, on doit être à peu près dans ces eaux-là. Voilà, je vous ai. Attends, on doit être à 30, 40 épisodes peut-être. Je pense que je vous ai fait une belle, belle introduction au jeu. Je vous ai montré pas mal d'astuces. Enfin, on a découvert pas mal d'astuces ensemble. Je vous rappelle que ce jeu est une découverte totale, hein. Je ne savais pas du tout où on allait avec ça. Surtout après la déception que j'ai eue avec le jeu qui était prévu à la base. Vu qu'au départ, je voulais faire un SP sur Luxar. Et que malheureusement, ça ne s'est pas fait. Semi-conducteur. Ben voilà. On a tout en positif. Même si c'est que de 30 unités par seconde, on a tout dans le positif là. Bon, il y a toujours la science et la culture. Mais ça malheureusement, on peut pas faire grand-chose là. Il faudrait faire des colisées, il faudrait faire des trucs comme ça. Et c'est pas génial. C'est pas ce qu'il y a de plus ouf. Bien. Bah écoutez, sur ce, j'espère que ce let's play vous aura plu. Je m'arrête là pour le tournage, mais sachez que moi, je vais continuer à jouer à ce jeu. J'aime beaucoup. Donc voilà, moi je vais continuer de mon côté. Éventuellement, je mettrai peut-être deux trois petits trucs. Voilà, mais après le reste du jeu, honnêtement, voilà, vous avez vu le plus gros, la stratégie, comment le jeu fonctionne. Après, ce sera à vous de voir. Et peut-être que vous pourrez créer une ville qui sera vraiment optimisée aux petits oignons, où vous arriverez à exploiter toute la carte au maximum. Et puis à vous l'argent suisse pour avoir tous les upgrades. Voilà. Mais moi je pense que je vais retourner après sur là quand j'aurai assez. Je pense que je vais retourner plutôt sur Rotterdam. Et puis exploiter à fond Rotterdam. Parce que c'est. Voilà, ça peut augmenter très vite. Hein, Rotterdam, là, vous voyez, j'ai fait 200. Ouais, 200 billets enfin 200 argent suisse en une soirée en fait, parce que voilà, j'ai juste joué hier soir. Donc en vrai, on peut carrément faire quasiment une ville par jour. Enfin, une ville par soirée, quoi. En se débrouillant bien, ça peut se faire. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour une prochaine série, pour un prochain jeu, pour voilà. N'hésitez pas à me faire des propositions en commentaire sur des jeux que vous aimeriez voir, ou alors même des jeux voilà, du moment qu'ils sont pas hors de prix, des jeux que vous aimeriez peut-être que j'essaye avant que vous achetiez ou vous essayiez, enfin peu importe. Voilà, si vous avez des jeux que vous voulez voir en let's play, dites-moi. Et puis j'étudierai ça. Sur ce, je vous dis à bientôt!